6 décembre, Saint-Nicolas, évêque de Myre. Encore 19 jours, Monseigneur, et nous vous verrons. Nous vous verrons en esprit au moins, car quand vous verrons-nous réellement? Sans doute pas avant d'entrer au ciel. Et quand sera-ce? Il faut d'abord passer par la mort. Quelle vienne donc cette mort qui est la porte de la vie? N'épargnons pas notre corps. Faisons-le servir comme les chevaux de louage qui sont pour pétrir. Ne craignons pas les dangers. Plus vite s'altérera notre santé, plus grandes seront nos périls, plus nous serons de chance de voir bientôt mon bien-aimé Sauveur. Faites-nous la grâce au divin Jésus de marcher vers vous avec générosité, comptant le corps, la santé, le danger comme rien, et ne cherchant qu'une chose, vous glorifier autant qu'il est en nous. Par là, nous arriverons plus vite à notre dernier vrai Noël, et ce sera plus beau. Mais maintenant que voulez-vous de nous, mon Dieu? C'est que tout en ayant en toute occasion du mépris du corps, de la santé, de la vie, du péril, nous vous contemplions parfaitement avec la Sainte Vierge et Saint Joseph, perdus en vous. Avec eux, aussi loin de la terre que l'était Sainte Madeleine à la Sainte Beaune, noyée dans la bienheureuse contemplation de celui qui est caché dans le sein de Marie. Faites tout en nous, mon Dieu. Nous ne sommes que misère et néant. Tout ce que nous devons avoir, donnez-nous-le. Donnez-nous ce courage qui nous fait dédaigner santé, vie, péril, tout ce qui touche au corps, et donnez-nous cet amour qui nous fait perdre en vous, nous vider de tout et être plein de vous. Cet amour qui donne la vraie détachement, la vraie pauvreté. En esprit. Vidant l'âme de tout, y laissant la place tout entière, pour vous, mon Seigneur et mon Dieu. Obtenez-moi cette grâce, ce courage, cet amour, cette âme perdue en Dieu, Sainte Vierge, Saint Joseph, qui, en ces jours toujours, mais en ces jours si particulièrement, étiez si profondément perdue, noyée, abîmée dans la contemplation du divin enfant, encore cachée à tous les regards, mais présent dans le sein de Marie, et vous enivrant tous les deux d'une volupté infinie, dans votre contemplation passionnée et émerveillé. Saint Nicolas, il fut un temps où votre fête était ma fête. C'était lorsqu'enfant j'habitais la Lorraine. Grand évêque d'Orient, que votre renommée, l'odeur de vos vertus sont répandues au loin. Soyez béni, grand saint, que Dieu s'est plu à rendre si populaire dans le nord de la France. Patron des enfants, vous qui remplissez ce soir leurs sabots déposés auprès du foyer, une foule de petits présents, je viens moi aussi déposer près de l'âtre mes sabots, et je vous demande de plus grands dons encore que ceux que vous me faisiez lorsque j'étais enfant. Vous voyez mon âme, vous voyez tout ce qui lui manque, donnez-le lui. Ce que je vous demande surtout de mettre dans mon sabot, c'est la ferveur et le courage. Il me semble que rien ne me manque autant. Je suis si tiède et si lâche en tout. J'ai si peu d'esprit de sacrifice. Je crains tant la souffrance, je la fuis tant. Mettez cette nuit dans mon sabot ferveur et courage. Descendez vers moi pendant mon sommeil, bénissez-moi. Changez mon cœur, et faites que je trouve en moi, demain, ces deux vertus que je possède si peu jusqu'à présent. Je vous demande aussi de donner à tous les autres hommes, et surtout à ceux que je dois le plus aimer, ce dont ils ont le plus besoin en notre Seigneur, par lui et pour lui. Amen.